Donc, Mélanda t'invite à rentrer. Et dit, ce sont tes amis? M'ont beaucoup aidé dans mon périple. Donc elle s'assoit avec toi. Elle te dit, bon, je suis désolé pour Alexander, apparemment il t'en veut encore. Oui, je m'en doutais un peu. On s'est croisés à Aria. Donc voilà. Ouais, il a toujours pas compris que c'était mon choix. C'est ce que j'ai essayé de lui expliquer, mais bon, apparemment sorti de ma bouche, ça n'a pas beaucoup de valeur. Donc dis-moi, est-ce que ton voyage s'est bien passé? En quelque sorte. Je suis revenue saine et sauve, en tout cas. Mais oui, j'ai appris beaucoup de choses sur le monde extérieur, dont Aria, population environnante. J'essaie de faire de mon mieux. Eh bien, c'est très bien. Maintenant, je vais te poser les trois questions rituelles. Donc, Oula, j'ai pas révisé. as-tu appris de nouvelles formes de magie pendant ton voyage? Dis-moi, lesquelles? La magie des runes Intéressant. est une magie qui me permet de traverser une forêt. D'accord. Que... Comment t'as appris ça? C'est une dame qui s'appelle. Oh, j'ai oublié, j'ai mangé son nom. Ça. Ksa, c'est ça. Ksa, qui me l'a montré et je l'ai apprise, du coup, comme ça. D'accord, c'est très Et bien. pour la magie des runes, j'ai trouvé un codex qui m'a appris trois runes. D'accord, mais écoute, c'est parfait. Si tu veux approfondir ça, je dois avoir quelque chose ici pour toi. Ah, chouette! Parce que c'est bien pratique, hein. As-tu découvert une menace qui pèse sur le royaume d'Aria? Ah oui, les dieux oubliés, si j'ai bien compris. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe au niveau des dieux avec une orbe et un sceptre qui ont été perdus. Et que d'ailleurs, Kaina cherche. Ta sœur cherche le sceptre et l'orbe. C'est ça. Mais en quoi ça représente une menace? Ben, je sais pas si, enfin, je sais pas si c'est vraiment une menace, ce sceptre et cette orbe, mais je suppose qu'ils ont l'air d'être assez puissants. Donc, entre de mauvaises mains, ça pourrait faire des ravages. D'accord. Il y a aussi cette histoire de Dieu oublié, là, dont 19 en a fait les frais. Le dieu oublié. Ouais. Elle entendait des voix dans sa tête. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Moi, je monte ma main. C'est guéri. Faut pas que Elle a j'enlève le touché. pansement. Elle a touché un collier, voilà. Vous avez été maudite par le dieu ennemi, mademoiselle? C'est ça. Oh, maudite, c'est vidé. Hein. Ça dépend du point de vue. Mais je suis guéri. Je monte ma main toute contente avec ma soie autour de la main. Vous savez que ce n'est qu'un pansement. Ah, ça va bien. Ça va bien. Merci. Oui, elle a tendance à minimiser les choses. D'accord. Mais pourquoi vous avez d'autres solutions? Parce que moi, j'en ai pas d'autres à part ce pansement. Si vous savez quelque chose. On peut revoir ça après mon examen, s'il te plaît? Ouais, moi c'est juste que vous abordez le sujet, hein. Moi je veux pas déranger. Hein. On verra ça plus tard si vous le voulez bien. Donc, Kairis, alors, imagine, tu as vu Alexander. Donc là, je l'ai renvoyé chez lui. Imaginons qu'il nous vend, toi et moi, au miséricordieux, pour ce que nous avons fait. Tu es emprisonné et torturé, tandis que moi, je dois me donner la mort en buvant de la ciguë. Tu finis par être libéré et quelque temps plus tard, tu te retrouves face à Alexander. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il n'y aurait pas déjà assez de sang qui aurait coulé? Je peux pas savoir avant d'avoir vécu la situation, mais de tête comme ça,
J'éviterai de croiser son chemin à l'avenir et peut-être qu'il y aurait quelques échafaudades entre nous, mais j'irai pas jusqu'à lui faire du mal, je pense. Là, j'ai répondu à ses attaques parce que je doutais bien qu'il allait pas me faire une jolie caresse sur la joue avec son tas de boue. Mais voilà, je pense pas que j'irai jusqu'à faire couler son sang, si c'est la question. D'accord. Eh bien, écoute, c'est bien. Je suis fier de toi. Je constate que la caravane de l'éveil t'a été profitable. Tu peux être fier de toi. Tu es désormais une magicienne du premier cercle. Et elle pose la main sur toi. Tu sens une puissance te parcourir le corps. Et tu augmentes ta capacité de flamme de 10%. Ouais, j'ai récupéré. Pardon. Mais ce n'est qu'une étape sur la route. Si tu veux progresser encore, il va falloir que tu trouves un magicien ou une magicienne plus puissant que moi. Je suis certaine que tu pourras progresser auprès du grand mage Tamerlan. Après tout, il a réussi à créer sa propre magie en s'affranchissant de la limite des cartes. Bon, personne ne sait où il est, par contre. Mais si un jour tu le rencontres, essaye de devenir sa disciple. Comment il s'appelle déjà ? Tamerlan. C'est noté. Donc dis-moi, maintenant, t'as des questions ? Est-ce que t'as trouvé quelque chose d'intéressant pendant ton voyage ? Des choses dont tu voudrais me parler ? Ouais, j'ai trouvé un œuf de dragon, je crois bien. Hein. Du coup, je sors l'œuf et je le montre. J'ai trouvé ça. Ça me paraît pas mal. Tu vois qu'elle écarquille les yeux. Elle dit c'est un œuf de vouivre. Ça. Et tu sais ce que ça fait ? Ça fait éclore une créature si on le met dans le sable, si j'ai bien compris. Oui, mais est-ce que tu sais ce que ça fait un magicien ? Non, pas vraiment. Ça le mange ? Je sais pas. Alors, je t'explique. L'œuf de vouivre est utilisé à l'Académie de magie de Aria. Si on mange un fœtus cru qui se trouve dans l'œuf de vouivre, on est investi de la magie d'Aria. Non. En clair, trop bien. Si tu manges cet œuf, tu récupères un jeu de cartes. Mais c'est génial. Ah, faut que je le mange cru, par contre, je peux pas le faire cuire. Non, il faut le manger cru. Et par contre, ce n'est pas sans danger. Ah bon ? Qu'est-ce qui peut m'arriver si je fais ça ? Manger un œuf de vouivre, on va dire que c'est pas l'épreuve la plus facile. C'est-à-dire ? Il faut résister à... Enfin, faut réussir à le manger. Oui, ça je m'en doute. Et ne pas le vomir tout de suite, tellement c'est affreux. Donc en termes de jeu, en fait, c'est un jeu, un jet sous ton endurance, c'est ça ? Donc x3. Ok. Selon le résultat, il y aura plus ou moins de cartes. Ah d'accord. Si tu arrives à le manger entier, t'as un jeu de 50 de cartes, joker inclus. Et après, ça va en dégressif. Ah ouais, mais c'est super cool en fait. Bon, c'est glauque, mais c'est cool. Mais du coup, je serais plus chassé par les sorcières du crépuscule si je fais ça. Les sorcières de quoi ? Les sorcières du crépuscule. C'est pas ça ? Je sais pas, tu parles des miséricordieuses ? Oui, ouais, c'est ça, pardon. Ben si, tu seras toujours... Tu seras toujours une mage qui n'a pas appris sa magie dans l'académie d'Aria. Ah, d'accord. Ah, bon. Non, mais en tout cas, c'est intéressant à savoir. Merci. Donc ensuite, si tu veux, dans ma bibliothèque, j'ai un livre de magie des runes. Ouais, ça m'intéresserait bien. Si tu veux, pendant que tu es là, tu peux essayer de le lire. Ouais, j'ai une tablette gravée. Est-ce que je l'avais déchiffrée ? Non, je pouvais pas la lire. Non.
Ah, je vais lui montrer la tablette. J'ai trouvé ça aussi. Oui. Bah, écoute, ça a l'air d'être écrit en ancien langage Nok. Mais je sais pas le lire. Tu connaîtrais pas quelqu'un qui sait lire? C'est une civilisation qui a été perdue il y a des centaines d'années. Donc non. Et t'as trouvé ça où? Je sais plus. Je crois que j'ai trouvé ça à Aria, non? Non, c'était avant Aria. Je sais plus. Alors t'as trouvé ça dans une tombe. Ah ouais, dans la tombe avec la flèche là. Ah oui. Ouais, dans la forêt avec Xa. En sortant du rideau. Dans Tu me une dis que t'as tombe. trouvé ça dans une tombe. Ouais. D'accord. Elle te regarde bizarrement quand même. Elle dit. Non, mais je lui explique pourquoi on y était. D'accord. Et tu y étais pourquoi? Bah, Xa nous a dit que l'âme de l'homme qui était dans cette tombe était prisonnière à cause d'une flèche. Donc on devait retirer la flèche pour libérer l'âme de cet homme et qu'elle puisse retourner là où elle doit aller. Et c'est à cet endroit-là que j'ai trouvé cette tablette. Et cet homme, c'était qui? C'était un roi, je crois. Donc tu as donné à une femme que tu ne connaissais pas une arme qui a tué un roi. Une flèche, ouais, c'est ça. Il y avait une flèche plantée dans lui. Elle m'avait l'air de confiance, elle m'a appris des sorts. Elle a pas mal aidé 19 aussi, donc. Bah, elle l'a un peu aidé en tout cas. Je dirais pas qu'elle m'a aidé en fait, après réflexion. Hein. Je dirais plutôt qu'elle m'a menacé. Mais après, chacun a sa vision des choses. Hein. Mais pourquoi? Ben, moi C'est je. pas à toi que je parle. Ben, c'est une évidence, t'as pas. Enfin, pas encore compris qu'elle nous a un peu entubés, l'AXA. Moi, depuis que je me suis réveillé avec elle dessus, je me fais plus d'illusions. Écoute, je suis pas experte, mais au nord d'ici, à 2 heures, 2 heures à pied, il y a une chapelle qu'on appelle la Chapelle Très Sainte. Je te conseille d'y aller. Ce qui me semble que c'est de mauvais augure. Ce qu'on a fait? Oui. Mais pourquoi on a libéré l'âme de cet homme qui était emprisonné? Pourquoi ça serait mauvais? On t'a dit que tu avais libéré l'âme de cet homme. Je pense pas que c'est le cas. Que ce soit le cas. Ensuite, Mélanda se tourne vers vous. 19 et Heisenberg. Elle dit, du coup, vous avez aidé Kairis pendant son voyage? Nous nous en sommes efforcés, oui. Ma chère, bien sûr. Personne si agréable. Eh bien, c'est très bien. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Alors, je ne vais pas vous cacher que je pense que l'amie ici présente accepterait de la monnaie sonnante et trébuchante, mais pour ma part, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est plantes et breuvages aux propriétés médicinales. Si vous avez quelconque connaissance dans ce domaine, je serais preneur. Vous venez de Kniga, c'est ça? Vous avez l'œil et le cerveau. C'est magnifique. Mais vous savez, on rencontre pas souvent des gens qui ont les yeux jaunes. Je savais bien qu'il y avait un détail qui me trahissait. Petit peu quand même. Écoutez, si vous voulez, j'ai un laboratoire d'alchimie. Je sais que dans votre pays, beaucoup la pratique. Est-ce que vous êtes alchimiste? Tout à fait. Eh bien, si vous voulez profiter de mon laboratoire, il n'y a pas de souci. Donc, en termes de jeu, si tu veux faire des potions dans ce laboratoire, Heisenberg, tu auras 100% de réussite. Trop bien. Et elle peut même te fournir un ingrédient sur une liste, tu devras tirer au dé au hasard. Bien, j'accepte volontiers.
Je vous sais gré, c'est très aimable à vous. Hein. Nous l'aurions fait sans tout cela, bien sûr. Kairi, c'est une amie. Pourquoi tu rigoles? Parce que j'essaye de parler comme ça, c'est pas évident, en fait. Moi, je m'auto-fais rire, en fait. Elle se tourne vers toi, 19, et dit, et vous, mademoiselle, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Je vois que vous avez un petit compagnon bien étonnant. Ouais. Mais Fred, c'est Fred. Vous m'avez dit savoir quelque chose là-dessus. Je lui montre ma main. Vous avez parlé à Kairis d'une chapelle. Moi, tout ça, c'est lié. Donc, qu'est-ce que vous savez sur ma main? C'est ça qui m'intéresse. Et je sais que les malédictions du dieu ennemi ne sont pas si faciles à... On ne s'en débarrasse pas si facilement avec même la soie la plus pure. Elle cache le problème. C'est tout. Parce que si vous faites tomber cette soie ou si on vous l'arrache, ça reviendra toujours. Ouais, je me doute. Et je pense que... Moi, je suis persuadé que l'Axa, je pense que ça doit être une adoratrice de ce dieu, ou du moins les lier à lui. C'est pour ça que j'ai mentionné qu'on s'est fait doubler. En tout cas, son histoire me semble plus que louche. Hein, moi, j'aime pas être doublé. Je suis rancunière. Mais à part ça, ça va. Après, vous avez déjà vu des automates? J'en ai vu quelques-uns. Ben ça, c'est Fred. C'est moi qui l'ai fait. Toute seule. Mais je dois vous avouer que c'est toujours étonnant. Surtout que c'est la première fois que j'en vois un comme ça. Bon, pendant qu'elle parle de l'automate, moi, je lis le livre sur les ruines. Ouais. Il te faudra une demi-journée pour le lire. Elle peut me le... Bah, je lui demande si elle peut me le prêter. Ah, je préfère qu'il reste ici. D'accord. Et moi, sans doute, à la grande surprise d'Heisenberg, finalement, j'attends que Kairis... Je fais pas attention. Kairis s'absorbe dans son livre, etc. Il faut que je fasse un jet, par contre. Et puis, je dis clairement à... Comment ça s'appelle? À la vieille. Ouais. Moi, je vais l'appeler la vieille. Bah, madame. Mélanda. Oh, mais putain. Moi, je veux rien. Merci. J'ai mon vin. Et puis, je me contente de boire. Je ne demande pas. D'accord. Donc. Tu peux pas m'aider à le lire. Non, bah, Kairis, tu vas pas réussir à le lire. Donc, par contre, tu vas y. Même si t'as échoué, tu vas y passer une demi-journée. Mm. Donc vous êtes arrivé le matin. Ça va te prendre jusqu'à midi 13h, quoi. Heisenberg, tu veux tenter une potion ou tu veux faire quelque chose? Bah moi, si elle m'offre un ingrédient, je le veux bien. Et puis je ferai une potion avec, ouais. Bien sûr, elle t'offre elle t'offre un ingrédient et même une fiole. Bah écoute, tu m'avais dit que je tirais, alors tu veux que je tire quoi comme dé pour savoir quel ingrédient j'ai? Alors, attends que je compte. Ce lierre très particulier qui décuple les compétences de tout le groupe pendant 7 ans. Tu vas me jeter un dé 12. Alors, elle te donne une petite plante qui est très touffue. Elle te dit que ça s'appelle de la peltrille, qu'elle pense que ça doit pouvoir faire quelque chose, mais qu'elle ne sait pas vraiment quoi. D'accord. Parce que j'ai pas 100% pour identifier une substance dans son labo. Non. T'as 100% pour faire la potion. Eh bien, je vais la tenter quand même, et puis sinon je ferai une autre potion, tant pis. Alors, plus exactement, t'as 99%, parce que 100 est toujours un échec critique. Oui, il va sans dire, mon cher. Bon,
Non, mais en ce qui concerne l'alchimie. C'est le moment que tu fais. 0,3. Donc, bah, tu exécutes parfaitement ta potion. Et même tu sais ce qu'elle fait. Alors que à la base, t'aurais peut-être pas su et il aurait fallu que tu testes. Mais là, en la faisant, tu comprends tout. Et tu sais que c'est une potion qui fait pousser les cheveux abondamment en quelques secondes. C'est marrant, ça. Et elle est sous forme de baume à étaler et pas à boire. Sinon, elle fait pousser les cheveux à l'intérieur. Ce serait marrant. Les cheveux sur la langue. Lotion anti-chauve. Bon sang, voilà qui promet. Donc, comment vais-je appeler cette compétence? Et j'ai combien, du coup, pour créer cette potion? Alors là, je vais la créer. Parce... T'as 40. Je vais l'appeler Réponse. Lance-moi ta chevelure. Je vais l'appeler Jean-Louis David, je pense. Potion Jean-Louis David. Alors, si vous restez avec Kairis, t'as le temps de faire d'autres potions. Hein, parce qu'elle elle lit pendant une demi-journée, là, dans le... Et toi, du coup, 19, si t'as des questions à poser à Mélanda, tu peux, parce que vous êtes là... Ouais, j'allais dire quand même, parce que Mélanda, je lui dis, mais madame, vous avez vécu un peu à rien. Oui. Ouais, je lui montre ma dague, en fait. Si ça lui parle. Non, là, pas du tout. Elle. Non. Tu vois qu'elle te dit quand même qu'elle sent qu'il y a quelque chose avec cette dague. Il y a une trace de magie. Mais elle saurait pas dire plus. D'ailleurs, t'entends putain, je comprends rien. Alors, en fait, moi, je suis assez impatient parce que moi, je meurs d'envie d'aller à cette chapelle. J'avais dit que c'est à 2 heures. C'est ça. Faut traverser une forêt pour aller. Non, c'est juste la route, une route normale. C'est dommage, on aurait gagné du temps parce que. Votre apprenti a traversé les forêts. Oui, enfin, j'ai 20%. Y a un petit bois. Il y a un petit bois, mais clairsemé. Ouais. Non, mais en fait, si c'est long, moi, je vais m'absenter. Mais je vais faire un truc tout bateau. Je vais aller vendre ma coupe en or au festival du vin de la Vandermeer. Ouais. Et je vais chercher une statue de poisson pour payer mon solde, quoi. D'accord. Bah, la coupe en or, on va te la reprendre pour 5 orbes. Ouais. Donc ça fait... D'accord, 5 orbes. Et effectivement, on t'indique une petite place avec une fontaine et la statue d'un dieu poisson. Et tu repères vite une petite fente pour déposer ton obol. 5 orbes plus 5 orbes, ça va être 10 orbes. Ben, je mets une orbe dedans. Et on peut mettre que des pièces. C'est vraiment une fente. Pas mettre quelque chose de plus imposant. Non, tu peux mettre. C'était genre une pierre décellée, quoi. Ouais. Je mets parce que je suis confus, quoi. Je mets une des fioles de poison. D'accord. Voilà, c'est un peu signe. Pardon pour le poulpe. Voilà. Ok. Ah, faut t'avouer, faut à moitié pardonner. Puis de toute façon, ils sauront, je sais pas, ils savent déjà, quand je vole un truc, ils savent déjà le pourcentage. Alors, je me dis que le poulpe, c'est mort, ils arriveront à le savoir. Donc, je leur mets une fiole de poison. Ah non, Heisenberg, elle avait qu'une fiole chez elle. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai fait aussi, comme tu m'as dit que j'avais le temps, j'ai fait un passe-muraille
de Karloff, mais j'ai jeté ma fiole qui me restait. Donc j'ai plus de fiole. Bah moi j'en ai. Mais tu n'as pas le droit. Mais non, les fioles, c'est celle qui t'a donné. Ouais. Bah je sais pas, je suis pas obligé de lui donner. Enfin, s'il fait la potion et qu'il me la donne après, il aura plus rien. Non, je sais pas. Je sais pas si on peut abuser comme ça. Non. Le dieu du carreau est impénétrable. Faut quand même que tu me fasses un jet, Heisenberg, pour faire le passe-muraille. Ah bon ? Ah, je croyais que j'avais 100%. Ah oui, non, oui, c'est 99. Si... Voilà, si tu fais 100... J'ai pas une bouteille de vin vide, celle que j'ai volée. Non, tu m'as dit que tu volais une cruche. Ah non, c'est un pichet. Voilà. Mince, un pichet. Tu peux pas faire une potion dans un pichet. Bah, c'est bon, tu l'as bon. Sans souci. Ah oui, tu récupères la vieille bouteille de vin, tu sais, de la fête, le truc dégueu. Quoi. Oh putain. Il doit y avoir plein de bouteilles de vin dans le bois. Hein. C'est clair. Moi, je vais partir après à la recherche de bouteilles de vin de reste des beuveries, quoi. Alors, malheureusement, tu ne vois que des tonneaux en perce. Merde. Ils se servent directement au tonneau. Si tu fais tourner la palme dans un tonneau entier, ça va péter. Un tonneau de feu d'Ingramus le Sage. T'es voilà. En on fait exploser rien. Dur. Par contre, je vous conseille de ne pas le mettre sur un bateau, mais après, c'est vous qui voyez. Bombe nucléaire. Ouais, et puis, moi, je reviens. Ouais, on va dire que ça m'a pris bien longtemps. Voilà. Mais après, je commence, mais je pense pas que je vais commencer à bricoler sur Fred. Parce que Fred, il faut que... Ça me fait penser toutes ces histoires de potions. C'est vrai que je dois lui faire un lance-patate. Donc... Ah, c'est-à-dire un lanceur de peu importe de ce que c'est en fait. Il pourrait balancer un caillou comme il pourrait éventuellement lancer une fiole. Donc, je commence à étudier la chose. Mais je ne le bricole pas. Je pense que j'aurai le temps aussi à bord du bateau. Donc, ok, je note. Je commence juste à étudier la chose tranquillement, à réfléchir, tout en m'impatientant. Et régulièrement, je dis bon, on y va à cette chapelle ? Dans la fête, quand même, t'as croisé les gamins qui sont tout heureux. Ça va, mon frère. Ouais, tu vois Amaury qui essaye de piquer un peu de vin sur les tables, etc. Tous les autres qui rigolent, qui s'amusent, qui courent dans les rues. Et par contre, tu rencontres aussi Ibolia. Ouais. Tu te dis, bon, on a un problème. Ah. Vous n'avez pas vérifié les caisses. Ah, je sais pas, je m'en suis pas occupé. Mais non, pourquoi ? Ils sont vides ? Non, sur vos 8 caisses de morue, il y en a 2, c'est des caisses de cailloux. Oh le salopard ! On peut y retourner. Hein. Salopard. C'était combien la caisse de morue ? Putain, en plus. Rappelle-moi combien c'était la caisse de morue. J'avais demandé à ce fumier s'il fallait qu'on supervise les trucs au port. Je regarde Ibolia. C'était combien la caisse de morue ? Je sais plus combien on avait payé la caisse de morue. Elle s'en souvient pas, Ibolia ? Oui, Ibolia, elle cherche dans ses livres de compte. Par télépathie, Cinq couronnes. Ah oui, d'accord, ok. 5 couronnes. Donc, couronne, vous a arnaqué de 10 couronnes. C'est les pièces d'or. C'est ça, les pièces d'or. Ah ouais. Ah ouais. Ben dis donc. Bon, vous apprendrez que... Ouais. C'est un peu de ma faute aussi, j'aurais dû regarder, c'est la base. Ah ouais, parce que c'est la base, mais c'est à nous de savoir. Ça, c'est comme tenir la barre. Voilà. Oui, mais je vous ai demandé 3 fois si vous aviez vérifié le chargement. Vous m'avez dit, il n'y a pas de souci. Le chargement, si on l'avait chargé. Oh là là. Mais je le retiens là. Bon, écoutez, je vais vendre les caisses qui restent. Je vais voir ce qu'on récupère. On se voit plus tard. Ouais. Elle est en cunière quand même, cette capitaine. C'est bien. Ouais. Elle a un bon fond. Moi, je le note en gras. Comment ça coûte un assassin ? Vous connaissez les tarifs dans ce pays ? Non, mais je connais une guilde de poissonniers. Ça peut servir. Donc tu reviens chez Mélanda ? Ouais, alors je fais part de mon mécontentement. Nous avons dû des caisses de cailloux.
Quoi? Quel gros enfoiré. Le... Je savais qu'on aurait dû vérifier. Ah bah tu savais. Toi t'es comme Iboya. Je savais, c'est facile à dire. Elle m'a dit pareil. Oh bah c'est la base. Sais, mais on ne sait pas vérifier non plus. Oh, bah, attends. Ah bah c'est pas mon boulot de vérifier, c'était sûr, hein, après. Voilà. J'ai dit à ce chien. Est-ce qu'on il faut qu'on supervise le chargement? Non, ça va aller. Bon, accessoirement, je pense qu'on partira peut-être sans notre équipage de jeunes gens. Hein. Ils sont en train de faire la fête et faire les poches de tous les gens dans la ville. Ils finiront peut-être en géole. Hein. Bon, on va à la chapelle. Bah, il est quelle heure? Ah bah, j'en sais rien, moi. Il est midi, pas... vous avez mangé chez Mélanda, pas de soucis. Ah. Ouais, bah, on peut aller à la chapelle. Votre part au pruneau, Mélanda. Est-ce qu'on doit passer par la ville pour aller à la chapelle? Non. Non, c'est à 2 km là, plus haut, là, je sais pas où. Pourquoi? Tu t'inquiètes pour les enfants? Non. absolument pas, mon cher. Parce que moi, je suis sûr qu'on va les retrouver au Newf. Hein. Non, enfin, j'aurais bien essayé de trouver une échoppe qui vende quelque chose qui me permette éventuellement de me débarrasser d'un ennemi sans avoir à trop m'approcher. Mais bon, tant pis. Mettons que ce sera pas pour cette fois. Ah, je peux pas te prendre ta... Est-ce que Alexander, c'est qu'il est considéré comme quelqu'un étant proche de moi vu que on a appris la magie ensemble? Lui, ça me dérangerait pas, tu vois. Ouais, mais bon, tu veux dire, c'est pas parce que je l'aime pas. C'est un ennemi, donc c'est trahir un ennemi, si tu veux, ça va être compliqué. Non, mais voilà, ouais, c'était pour savoir. Mais c'était bien tenté. Tu sais qu'à l'occasion, à Zenberg, je pourrais te fabriquer un truc comme ça. Ça doit être dans mes talents. Hein. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Ah, génial. En plus, c'est une fronde fabriquée par un artisan de votre qualité, 19. Oui. Voilà. Une sarbacane. En gros, c'est un tuyau. Ah ouais. Où tu souffles dedans. Encore mieux. J'ai entendu parler de peuplades qui se battent à la sarbacane comme ça avec des fléchettes empoisonnées. Faut pas inspirer. Comment tu utilises du poison pour mettre dessus? Pas à ce point-là, puis je connais des antidotes. Du poison de poulpe. Bon, on y va alors. Allez. Vous marchez pendant 2 heures dans un petit bois clairsemé. Vous passez plusieurs collines. Là, ça se passe bien, pas de soucis, il fait beau, vous rencontrez pas de vilains sur la route. Et après une dernière colline, le bois clairsemé que vous traversez s'ouvre sur une grande étendue plate, très verdoyante, aménagée de petits bassins et de statues. Au centre, une vieille chapelle construite sur un dolmen primitif. Des moines armés, mais d'aspect pacifique, gardent l'endroit. Et vous avez un des moines qui vous arrête et qui vous dit, pour aller plus loin, vous devez déposer toutes vos armes. Bah, j'ai donné mon arc. Hein. Pas grand-chose, de toute façon. Toutes. Toutes. Bah, c'est logique, on va dans une chapelle. Moi, je lui donne mon épée, mais c'est vrai que j'ai une épée quand même. Je sors ma lame fièrement, je la pose. Il a pointé vers lui. Tenez. Alors, je sors ma fronde, je pose. Je sors une épée rouillée, que je pose. Je sors une pertuisane, que je pose. Est-ce que j'ai autre chose? Ça doit être tout. Ah oui, j'ai une dague aussi. Il faut que je lui donne aussi. Ah, non, ouais. En fait, non, je lui pose pas toutes mes armes. Parce que je pose tout ça, tout ce que j'ai dit. Ok. Parce que j'ai ma dague. Mais. Où c'est ma dague? Non, ma dague, je la garde. Clairement. Ma dague ornée familiale, je lui donne pas. Je peux pas m'en séparer. Mais je lui montre pas, je lui montre clairement que je lui pose tout mon barda, là. Pertuisane, épée rouillée, fronde. Donc, vous rentrez, vous allez plus loin. Et donc, 19, tu commences à ressentir des picotements et des douleurs dans tout ton corps.
Mais ça n'a rien à voir avec les douleurs que tu ressens d'habitude, enfin, avec celles que tu as ressenties à cause du dieu ennemi. C'était pas la bonne idée, j'ai l'impression. Bon, vu que je m'appelle pas stupide, je me doute d'où ça vient. Je donne ma dague à Fred et je dis à Fred de m'attendre à côté. Ok. Donc tu vois le moine qui t'avait laissé passer la première fois, qui te regarde avec un grand sourire. Et je dis attention parce que c'est pas question d'une arme, c'est quelque chose. J'y tiens beaucoup. Je regarde le moine. Attention. Ne vous inquiétez pas. Et ouais. Donc J'y vous vais alors. arrivez à la chapelle et vous êtes accueilli par une dame qui s'appelle Erika Porte-Tempête, une érudite d'une cinquantaine d'années, aux cheveux cuivrés qui ont du mal à dissimuler son œil borgne et la cicatrice qui l'entoure. Vous voyez que c'est... Comment dire? Elle détonne un peu, quoi. Ce que vous vous attendiez à voir déjà des moines, ce que vous dites d'une chapelle. Oui, mais là, vous êtes plutôt dans une chapelle genre moine Shaolin, tu vois. Les moines armés, ils avaient l'air assez costauds. Et ce qui a l'air d'être leur chef, c'est une femme, une montagne, quoi. Vous voyez qu'elle a l'air d'avoir bien vécu et d'avoir connu son lot de batailles. Elle vous souhaite la bienvenue. Et elle vous dit, vous êtes ici en un lieu sacré qui ne tolère nul mensonge ou infamie. Si le respect est votre seconde nature et la valeur votre boussole, demandez sans crainte. S'il vous manque l'un ou l'autre, le savoir de la chapelle très sainte vous restera dissimulé à jamais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai besoin d'aide. Je viens vous voir parce que j'ai besoin d'aide. Et je lui montre ma main. Enfin, avec la soie. Vous êtes maudite par le dieu ennemi? Oui, bah, arrêtez de montrer du doigt comme. Oui, je suis la pestiférée, c'est Bah, moi. assume. Oui, je suis maudite par le dieu ennemi. Je ne connais qu'une Stock. façon de vous libérer de cette malédiction. Ah, je préfère pas mourir. Il ne faut pas forcément mourir, mais il faut vous séparer de cette main. Ah! Alors, je réfléchis et je la regarde. Est-ce que vous pouvez ça, faire ça? Et puis, d'un air très franc, hein, est-ce que vous avez la capacité, vous, en tant que ce que vous êtes, de faire ça proprement? Je vous conseille plutôt d'aller chez un médecin. Médecin, vous connaissez un bon médecin dans le coin? Trouvez ici, non, mais trouvez un médecin ou un temple d'Ina, la déesse de la guérison. Ah, en plus, je lui ai fait une très belle statue déjà. Vous savez où il y a un temple d'Ina? Bon, il y a des temples d'Ina un peu partout en Aria, il y a celui d'Aria, justement. Ouais, mais ça m'embête de faire demi-tour. Il y a... Attendez. Il Alta y en Bianca, il n'y en a a pas? Alta Bianca. un... Alta Bianca, il me semble pas. Par contre, il y Par en là. a un à Malbouzon, mais c'est un peu loin. Malbouzon, ça me dit quelque chose, Malbouzon. J'ai un cousin qui est allé à Malbouzon. Et on peut pas lui découper la peau de la main au lieu de la Ah couper? ben, je veux pas me Ah, je lui découper. demande, on sait jamais. Entre couper une main et juste enlever la peau. Bon. Non, il Vous faut faites bien de couper le me le membre. dire, en tout cas, c'est. Et sinon, moi, je lui sors la. De mon sac, je lui sors la couronne du roi. D'accord, oui. Moi, j'ai mis du temps à Celle où on a tiré la flèche. Bah, du coup, je lui explique, je lui dis, bah écoutez, on a croisé une certaine Xa, une sorcière, qui nous a dit qu'un homme était dans une tombe avec une flèche à l'intérieur, et que cette flèche empêchait son âme de, enfin, rester coincée dans son corps à cause de cette flèche.
Elle nous a demandé d'arracher cette flèche en échange de nous guider dans la forêt, parce qu'on était perdus. Et le roi en question, il portait ça. Je montre la couronne. Et je sors la tablette et je fais, et il y avait ça. D'accord, c'est un langage qui est perdu depuis bien longtemps. Vous le connaissez ? Plus personne ne sait lire ça. C'est l'ancien langage des Nok. Donc je suppose que c'était la tombe d'un roi Nok. Vous me dites que vous avez pris une flèche qui était plantée dans ce roi ? C'est ça. Et on l'a donnée à Xa. Qui l'a voulu, apparemment. Et elle vous a expliqué pourquoi ? Oui. Je viens de vous dire que son âme était coincée à cause de cette flèche. Ouais, enfin, cette même personne est venue me voir pour me dire que, de toute façon, la soie que j'ai mise, c'était des foutaises et son pouvoir, il est plus grand. Donc, en gros, je lui explique la situation quand la femme est apparue. Je dis, bon, maintenant, autant nous dire que je pense que elle serait plus liée au roi, enfin, au dieu maudit que... On émet un peu des doutes sur son... Maintenant, sur son... Qu'est-ce que tu lui dis exactement de la nuit où que ça est venu ? Je lui dis qu'elle est venue me voir et que je me suis réveillé, qu'elle m'est montée dessus et qu'elle m'a dit que... Ce qu'elle m'avait dit, hein, que... Mais comment ? Mes tentatives ! Donc, en gros, mon pansement était inutile. Ok, ouais, mais moi je voulais savoir si tu lui parlais de pourquoi elle était venue. Non, je lui dis ça. D'accord, que ça. Ok. Je mens pas, mais on va dire que je fais omission qu'il fallait que je lui ramène en plus une cuillère en argent. Donc, elle dit d'accord. Donc, si cette femme. A l'air d'être un serviteur du dieu ennemi. Et elle vous a demandé une arme qui a tué un roi. Savez-vous à quoi cela peut servir ? Pas du tout. À tuer un roi ? D'après les légendes, si on réunit trois armes qui ont tué un roi, on peut forger l'épée légendaire. Et avec cette épée, il est possible de tuer un dieu. Épée ? Alors là, je deviens livide. La page. Et si elle en a déjà deux ? Il en manquera. On va s'inquiéter. Ouais. Enfin, on va partir dans l'idée qu'elle en a déjà au moins deux. S'il n'en avait pas déjà un. Ah, quoique... Attends, qui ont servi à tuer un roi, vous avez dit ? Elle a tué le roi, comment elle s'appelle, Gourmandise ou... Ah, on sait pas. C'est qu'elle avait fait tentative de tuer le roi. C'était tentative, donc ça veut dire que le roi d'Aria est mort. Bah non, mais là, si elle te l'a demandé, ça veut dire qu'elle savait que le roi était mort. Le roi d'Aria est mort, tout le pays en deuil. Peut-être qu'ils l'ont caché. Peut-être qu'ils l'ont caché. Aux dernières nouvelles, elle avait empoisonné le roi. Vous savez pas si il est mort. Ouais, mais le roi... Ouais. Vous êtes parti avant de savoir. Bah, vu qu'à voix qu'on s'interroge là-dessus, je lui dis, en fait, elle m'avait demandé de lui donner une cuillère en argent. Qui potentiellement aurait pu empoisonner le roi d'Aria. Bah, servi à la personne qui empoisonnait le roi. Quoi. Ouais, le roi une Blaise. Cuisinière, apparemment. Le roi Blaise ? Ouais, le roi d'Aria. Le roi d'Aria, ouais. Le roi actuel. Mais il est vivant, donc c'est pas une arme. Non, le roi d'Aria est mort. Ah, tu vois, je t'avais dit. Il a été remplacé par sa fille, la reine Oriane, en attendant que le prince Estienne revienne de sa croisade à Akaba. Donc effectivement, Xa doit avoir deux armes qui ont tué un roi. Sinon, ça arrange carrément pas, ça. Elle aurait pu m'enseigner une autre magie que traverser des forêts, quand même. Bah ouais, ça fait chier.
Peut-être la fin du monde, mais elle aurait pu me dire autre chose que traverser des forêts. Bah ouais, attends, elle est si puissante que ça, non mais... Mais Kairis, t'auras bientôt plus de forêt à traverser, bordel. Du coup, ça ne servira à rien. Ah. Et c'est quoi la réaction de, de cette femme quand on lui raconte tout ça? Ça fait beaucoup, peut-être, quand même pour elle, là. Elle n'est pas vraiment surprise parce qu'elle vous explique que le dieu ennemi parcourt ce monde depuis des millénaires. Et... On me l'a déjà dit. Hein. J'ai un moine, un prêtre Aria qui m'a raconté toute l'histoire. Je connais. Après, peut-être qu'elle veut tuer le dieu ennemi. Non, mais c'est clair qu'elle ne veut pas tuer le dieu ennemi. Elle veut tuer le dieu exilé. Bah, peut-être, on ne sait pas. Bah, si. Moi, je suis sûr. C'est évident, arrête de lui trouver des bonnes conditions. Mais elle avait l'air gentille. Elle avait l'air. Il y a plein de monde qui ont l'air gentil, et puis... elle avait l'air gentille, il mangeait des beignets aussi. Et voilà. Mis à part que ça vous surprend pas, moi je suis ravi, hein, vous m'expliquez comment me couper ma main. Maintenant, ce que vous avez l'air de nous dire, c'est quand même inquiétant, ça n'a pas l'air trop de vous inquiéter plus que ça, vous, par contre. Le dieu ennemi a des plans pour détruire le monde depuis des millénaires. Jusqu'à présent, il a toujours été arrêté à temps. Ah. J'ai foi au dieu exilé. Je pense que grâce à lui, cette fois encore, le dieu ennemi aura ses plans contrecarrés. Vous priez le dieu exilé, vous? Bien sûr. Parce qu'à Aria, il n'y avait pas grand monde. Hein. C'est vrai que depuis que... Pas qu'il est exilé, quoi. Depuis que le roi des dieux est devenu le dieu exilé... Les gens qui partagent d'autres fois sont de moins en moins nombreux. Et si elle avait cette épée, vous sauriez comment on pourrait l'arrêter? Il faudrait trouver quelqu'un qui fasse partie d'un ordre légendaire. Mais c'était des histoires d'il y a longtemps. Je ne sais pas s'il en reste encore. Tamerlan? Non, Tamerlan est un... Tamerlan, c'est un mage. C'est ce que vous appelez un ordre légendaire, comme un Oc, hein, je vois. Non, un Oc, c'était quoi? Non, avant, il y avait un ordre qui se battait contre les serviteurs du dieu exilé. Mais je sais pas s'il en reste quelque part. Bah, apparemment, si. Alors là, aucune idée. Ah bon, t'en connais? Bah, que ça. Et non, elle doit en faire partie. Non, ça, elle est plutôt contre, je pense. Ah. Oui, ouais. Pardon, un ordre qui se battait contre les serviteurs du dieu ennemi, pas exilé. C'est du ennemi, quoi. Oui, d'accord, ok. Non, mais avec ça, ne nous leurrons pas, ma chère Kairis. Elle n'est pas gentille. On vient pas voir les gens en pleine nuit. Voilà. Sur leur lit, elle m'a clairement menacé. Elle n'est pas gentille. Elle nous a entubés, si tu veux, mais elle n'est pas gentille. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui m'ampute la main, c'est... Merci. Si vous avez fini, est-ce que vous permettez à moi de vous poser à mon tour 3 questions? Une question chacun, c'est ça? À vous 3. 3 questions à chacun de nous. Bah, commencez par le monsieur, il est pas très bavard. À nous trois en même temps, t'as rien compris. À nous trois en même temps. Ah mince. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. Alors, par qui avez-vous eu connaissance de ce lieu? La vieille. Mélanda. Bah c'est elle. Je connais pas son... Enfin, si, je l'ai connue, mais j'ai du mal avec les noms, donc... Mélanda. D'accord, la mage Mélanda qui habite à Vandermeer. C'est cela même. Ensuite, prévoyez-vous de vous rendre à Altabianca dans les prochains jours? Oui.
carrément. C'est pour ça que je vous ai demandé d'ailleurs s'il y a un temple de Dina à Alta Bianca, parce qu'on va aller à Alta Bianca. On a du vin, on va vendre. Des caisses de cailloux aussi. Ouais, c'est sûr. Et enfin, êtes-vous suffisamment gens de parole pour accepter d'en apprendre davantage sur le dieu exilé? Oui. Moi, ça m'intéresserait. Bah oui. Moi, je vous avouerais que depuis que j'ai connu le dieu ennemi, j'ai rien contre en apprendre un peu plus sur l'adversaire. Parce que si je veux en apprendre plus sur le dieu ennemi, je peux enlever cette soie et puis il me cause tout seul dans sa tête. Mais il a pas l'air très très sympa. Franchement. Si tu tues le... Du moment que ça ne nous condamne pas au même sort que cette chair 19, oui. Non, ne vous inquiétez pas. Donc je vous explique. Il existe en ce monde un livre rare relatant l'histoire passée et future du dieu exilé. Personne ne peut bien évidemment ouvrir les écrits du futur, mais chaque jour qui s'écoule révèle une page supplémentaire. Il s'appelle le Codex Major. Il a été fabriqué en 7 exemplaires, répartis à la surface du monde. L'un d'eux se trouve en Aqaba, un deuxième à Arya. Il y en avait un en Osmanlie, mais il a été perdu. Il y en a un, normalement, à Amasya, Kniga et Varna. Quant au septième, il devrait se trouver ici, à l'endroit exact où naquit le roi des dieux. Malheureusement, le prince d'Alta Bianca usa de son influence pour nous l'emprunter et n'a depuis plus jamais voulu nous le céder. Ce fou est persuadé qu'un tel codex prouve qu'Alta Bianca constitue un royaume au même titre qu'Aria, Aqaba ou même Varna. Mais la vérité est bien plus triste. Tout prince qu'il soit, il n'en demeure pas moins un vulgaire voleur. Si au cours de votre périple, vous pouviez récupérer notre codex major et faire en sorte qu'il retrouve son berceau, je vous en offrirai l'accès et la lecture illimitée au sein de notre chapelle. Ah. Et dans ces pages, qu'est-ce qu'on peut lire, en fait? Enfin, à part l'histoire du dieu exilé, c'est ce qu'il fait de ses journées, en fait. Enfin, je comprends pas trop. C'est ça. Il y a ce qu'il a fait, ce qu'il fait, et ce qu'il fera. D'accord. Il a dit, c'est le codex, quoi? Major. Mais en quoi ça pourrait nous aider, en fait, de lire ces pages? Vous vous rendez compte de la valeur de ce livre? Vu que je sais pas ce qu'il y a dedans, non. Enfin... Moi, c'est ce qui m'embête un peu, c'est sa valeur. Parce que si je vous le vole, si je vous le ramène, je vais devoir payer 10% de la valeur à la guilde des poissonniers. Vous ne le volerez pas. Vous le ramènerez là où est sa alors, place. Ça, c'est votre point de vue. À mon avis, le prince, il va en avoir un autre point de vue. Hein. Vous, lui, il pense, c'est pareil. Il dit qu'il vous l'a emprunté. Il dit pas qu'il vous l'a volé. C'est une question de point de vue. Oui, mais si c'est pas toi qui le vole, t'auras pas besoin de donner 10%. Le prince sait très bien qu'il l'a volé. Il était autorisé à le garder 3 semaines. Mais ça fait combien de temps qu'il l'a? Il a pas payé sa carte de bibliothèque. Le salaud. Ça fait 1 an qu'il nous l'a pris. C'est un peu une mode, les problèmes de royaume avec des trucs empruntés. Parce que je connais un pays, ils ont emprunté une orbe à Arya. Et puis après, maintenant, il y a des guerres parce qu'ils n'ont pas rendu l'orbe. Ils l'ont perdu, ils disent qu'ils l'ont rendu. D'autres vous parlez du sceptre? Ah, c'est pas l'orbe, c'est le spectre. Ça nous intéresserait d'avoir le sceptre, d'ailleurs. Ah, le sceptre. Eh bien, le sceptre a été prêté à Aqaba. Aqaba prétend qu'ils l'ont rendu. Arya prétend qu'ils ne l'ont pas rendu. Et personne ne sait, en tout cas, à part peut-être ceux qui mentent, personne ne sait où il est en ce moment. Il est peut-être toujours à Aqaba. Très bien. Je vous aime bien. Une petite malédiction sur le bourgmestre de Naporia, c'est pas dans vos cordes, par hasard. Nous ne pratiquons pas ce genre de choses, c'est plus réservé à nos ennemis. Je m'en doutais, non mais nous avons vendu des cailloux. Vous voulez pas acheter des cailloux?
Non, merci, on a ce qu'il faut. Ah. Bah, j'aurais demandé. Hein. Si c'est tout, je vous invite à ressortir. Non. Merci. Que faites-vous? On sort. Hein. On sort. On sort. Donc vous récupérez vos affaires. Ta dague est bien là, pas de soucis. Elle n'a pas bougé. Bouger de sur Fred. Fred. Bon Fred. Ton lance-patate va attendre. Parce que... Alors je me fabrique une prothèse. Ce serait cool. Ah bah... Je me fais pas d'illusions, ma chère Kairis. Hein. Si je dois couper ma main, il n'est pas question que je vive sans main. Je vais me fabriquer une prothèse. Ça se fait beaucoup à Knika. Belle prothèse, automate. Effectivement, mais... tu sais que des mains mécaniques, c'est assez c'est courant. Mais enfin, ça existe, il va me falloir quelqu'un qui me fasse ça propre, quoi. Ben, ça sera sûrement pas moi. Pour être un, c'est appelé, mais c'est tout. Donc vous repartez à Vandermeer, je suppose. Ouais. Oui. Vous arrivez à Vandermeer, c'est toujours la fête. Dites-moi, vous voulez faire quelque chose en particulier? Vous voulez participer aux négociations pour le vin? Vous voulez tout de suite repartir vers Alta Bianca ou... Je vais en passant, vu qu'on passe à côté là. Moi, je vais revoir Mamie Kairis. Ouais. Vas-y. Mélanda. Ma chère dame. Mais je suis avec elle. Vous êtes une grande magicienne. Sorcière. Rebouteuse. Mage. Vous avez pas un sort qui coupe les membres? Un sort qui coupe les membres? Ouais, il faut que je me coupe la main. Oui, dit comme ça, ça paraît impressionnant. Hein. Enfin, j'y tenais. Hein. C'est pas par plaisir. Mais... Et donc, vous voudriez que je vous coupe la main? Bah, si vous connaissez un sort qui fait ça proprement. Enfin, sans que je meure d'hémorragie, vous voyez. Parce que, après... Eh bien, je peux éventuellement essayer. Vous voulez faire ça maintenant? Bah, plus vite c'est fait, plus vite je suis débarrassé, ouais. Peut-être que vous pourriez boire un peu de... Parce qu'après, on m'a dit que je peux aller voir des prêtres, prêtresses de la déesse de la guérison. Mais le problème, c'est que apparemment il n'y en a pas tout près. Il y a Arya. Et donc, je me dis, vous allez sembler être quelqu'un qualifié. J'imagine que si vous pensez ne pas avoir de chance de le faire ça correctement... Vous diriez pas que vous vous sentez capable. Je devrais pouvoir le faire. Pendant qu'elle fait son sort et qu'elle se concentre, je voulais faire un truc. Est-ce que c'est possible? Ouais, dis-moi. Je voulais prendre le livre. Tu veux essayer de voler le livre à ton maître? Oui. D'accord. Si je fais un bon jet, elle verra rien. Et après, elle nous fait croire que si elle rencontre l'autre apprenti, oui, elle lui pardonnera, elle l'évitera. Non, elle ne le brûlera pas vif comme un poulet rôti. J'ai dit que je ne veux pas poulet sans sang, c'est tout. Bah, c'est vrai que quand on le brûle, bah, ça carbonise, le sang, ça ne coule pas. faut que je fasse un jet. Bah, tu fais un jet de volée. T'as plus 10% parce qu'elle est... Ah oui. Si tu le fais en même temps qu'elle jette son sort, elle est concentrée sur ce qu'elle est en train de faire. Donc, elle a 90% dans sa magie. Oh, c'est pas mal, quand même. C'est pas mal. Tu vas faire 99. Du coup, je fais un G à plus 10, c'est ça? Vas-y. Bah, t'arrives à lui subtiliser le livre. Je suppose que si elle fait ça magiquement... Ça devrait m'éviter quand même des déboires. Du coup, comment il s'appelle, le livre? Le livre? Une bonne question. C'est le Codex Runica 2. J'ai été sûr. Donc, pendant ce temps-là, elle pratique
Un sort qui a l'air assez complexe sur toi. 19. Ah, t'as pas pris de ton poison qui endort, là, non? J'ai pas empoisonné. Mais si ça endort... Ça... Ah, j'estime que s'il a fait ça par magie, hein, ça devrait pas... Donc tu vois ta... Pas, elle me gèle la main et elle tape un coup sec. Non. Ça serait marrant. Tu vois ta main disparaître. Tu sens... c'est bizarre. Au début, tu sens quand même une immense douleur. Parce que... ta main n'a pas l'air d'accord. C'était ta main quoi? Ben, c'est ma main droite. Parce d'accord. que j'estime que quand j'ai dû prendre la gemme, je ne l'ai sûrement pas pris avec la main qui n'est pas directrice. Donc j'ai sûrement utilisé ma main directrice. Ta main disparaît. La peau se referme, donc pas d'hémorragie, tout va bien. Par contre, tu viens de perdre une main, en plus ta main directrice, tu perds donc 60% à toutes tes compétences qui utilisent la dextérité. Oh, oh putain. Ah oui, mais tant que j'ai pas de main. Tant que t'as pas de main. D'accord. Bah, 60% à toutes mes compétences qui touchent à la dextérité, autant dire que je ne vaux plus un clou. Hein. Alors. Bon, à partir, j'utilise ma main, je suppose. C'est ça. Parce donc, exemple, artisan à construire, combat à distance, combat rapproché. Tu peux laisser connaissance de la nature, ça n'a rien à voir. Courir, sauter, ça va rester. Ah oui. Discrétion, ouais, ça va rester comme ça. J'y avais pas pensé un peu avant, mais en fait, j'étais trop con. Piloter, ah ouais, mais ça va serrure faire, et piège, en fait. Et voler. Ouais. Ça c'est con. Non mais c'est pas ça qui... Ah bah non, ça c'est pas con. Ouais, moi je vais te construire une main, je vais t'aider, après tu feras une meilleure main. Ouais, c'est juste que pour construire ma main... Ouais, pour construire ta main, avec 15% en artisanat, ça va être compliqué. Même moi j'ai 75, famille. Je peux te faire une main, tu vois, brouillon, et après toi quand t'auras tes capacités, tu te la retapes. Ah oui, avec mes connaissances et avec Fred. Je te sers. Et moi, ouais, il y a moyen, ouais. Ouais, Heisenberg, va falloir qu'on travaille ensemble. Et voir que temporairement, bah oui, c'est ça. On va pas trop s'embêter. Je vais récupérer. Je vais. Mon cher Heisenberg, vous allez m'aider à récupérer la main de Fred. Et t'as combien en artisanat, Ice? 75. Heisenberg, il a 75%. Ah, ouais. Il a 10 de plus que moi. Ouais, mais Heisenberg n'est pas un spécialiste de la mécanique. Donc son jet réussi ne fera que donner un bonus, ouais, un bonus. À 19. Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'on ne va pas fabriquer une main. Pour l'instant, je vais prendre récupérer la main sur Fred, ce qui est techniquement pour... j'estime que pour Heisenberg, ça devrait être plus facile. Tu vois, oui, que fabriquer de A à Z une main. Et après, grâce à la main de Fred, je vais me mettre à créer une main. Ouais. Oui, il n'y a pas de souci. Mais même démonter Fred, c'est comme si comme si tu essayes de démonter une Ferrari alors que tu n'as jamais touché une bagnole. Voilà. Ouais, oui. Bah, moi, je ne fais que suivre. Je suis juste les mains de... Parce que j'ai 15. De 19. J'ai 15%. Ouais, plus, tu as 15. Plus 20%. Avec l'usage quand même de Fred. Même, voilà. Ouais. Il peut aider à faire des petites choses. Quand même. Vu que c'est... Donc j'arrive quand même à 35. C'est pas gagné, hein, du short. Ouais. Et Heisenberg m'aide. Donc il faudra que Heisenberg fasse un bon test. Je m'y attelle tout de suite. Hein. Je dois faire un test pour toi, là. Ça me fait peur, ça. Ouais. Faut que tu le réussisses pour m'octroyer un bonus, en fait. De 10%. Oh, putain, just. Et ouais, mais même là, c'est pas gagné. Hein. Faut que je fasse... Moins de 45. Moins de 40. Après, ça, de toute façon, on peut le retenter. Allez. Oh là là, c'est pas raté. Ouh.
Maintenant, elle a trois mains. Mais parce que je suis talentueuse. Ah là là, mais cette chance. Bah, attends. Grâce à l'aide d'Heisenberg et puis à l'aide de Fred aussi. T'inquiète pas, Fred, je te la rendrai ta main. Juste le temps que je me construise une main digne de ce nom, grâce à ta petite main. Tu arrives donc parfaitement à démonter le bras droit de Fred, donc enfin, la main droite de Fred, et te la greffer sur ton propre bras. Sans souci. Tu as maintenant la main mécanique de Fred, et tu récupères toutes tes compétences. Voilà. On se fait avec une goupille entre les dents et tout, on te voit en train de manier le truc hyper bien. Voilà. Et je pense me faire une main, mais bah, c'est pareil. Je pense que je vais pas la faire comme ça d'un coup là. Je prends du temps à la faire. Là, avec tout ce que vous avez fait là, c'est le. Mais c'est de toute façon, je pense que je vais prendre vraiment du temps à la faire. Voir, je vais carrément faire une main qui a ou dans laquelle il y a un cristal en fait. Ouais. Une vraie prothèse. Nickel. Alors ouais. Des gadgets finalement, mais cette perte d'une main. Et puis quand je fais filer une patate à quelqu'un, il va la sentir passer avec la main de Fred. Ah oui, là. Là, ça va faire mal. J'ai plus la soie. Parce que je l'ai plus la soie. Ah non. J'ai plus ma main. Est-ce que j'entends quelqu'un dans ma tête? Non, t'entends plus rien. Parce que si après tout ça, j'entends quelqu'un dans ma tête, je suis dégoûté. Mais c'est con. Voilà. Donc le soir est tombé. Vous n'allez pas pouvoir repartir ce soir. Donc vous pouvez dormir chez Mélanda, il n'y a pas de souci. Mais après, dites-moi si vous voulez aller en ville. Et vous voulez faire autre chose en attendant. Ah. Si vous voulez lire un livre au lieu de le voler, je sais pas. Comme... Non, je vais le garder dans ma besace pour l'instant. Pas à sortir. Il est bien caché. Après la soirée, journée pourrie qu'on a passée là. Parce que ouais, perdre une main, je considère pas que c'est une bonne journée. Moi, je vais picoler à la fiesta. Hein, Moi, par contre, avant de partir, j'irai acheter un peu d'alcool histoire de faire passer un peu Stuff des Dragons. Là. D'accord. Moi, je vais passer une soirée en ville, quoi. Et toi, Heisenberg ? Alors, moi, je vais en ville. Et avant d'être trop. D'être fin sous avec mes amis, je vais tenter de vendre la dent en or que j'avais trouvée dans la forteresse. Ouais. Et je vais pas m'acheter une fronde, parce que si 19 m'a proposé de m'en fabriquer une, hein, je sais qu'elle sera encore mieux. Maintenant que je l'ai vue, même sans ses mains, faire preuve d'expertise de la sorte. J'attends ouais, mais c'est Fred, démonter Fred, tu sais, je le fais les yeux fermés, quoi. Ouais, c'est vrai, tu bosses dessus plus tellement longtemps. C'est ça. Alors, ta dent en or, au poids de l'or, elle fait à peu près le poids d'une pièce, donc t'as une pièce d'or. Nice. C'est pas mal. Ouais. Je suis carrément arnaqué pour mon gobelet. Effectivement. C'est une grosse molaire, moi. Moi, c'était un petit gobelet. C'est ça, un shot. Un truc, un verre à shot. Ouais, c'est pour ça qu'il a mis des cailloux dans du plaqué or. C'est trop rare les fioles, ça se vend pas dans un village pareil. Non, oui, le verre, c'est pas quelque chose qui se trouve à tous les coins de rue. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Bon, bah, du coup, je vais rejoindre mes camarades et écoute, boire avec eux. Trouver peut-être un bon coin pour dormir. Délasser les muscles. Féliciter Kairis qui a quand même retrouvé sa maîtresse et sa carrière, sa mémoire. C'est un grand jour pour toi. C'est vrai, c'est un grand jour. Très très grand jour. Mais je me souviens de tout... j'ai plus de problème de mémoire. Non. En fait, je ris avec Kairis et je pleure un peu avec 19, quoi. Voilà. Deux sentiments contraires. 19, elle est pas d'humeur. Hein. Picole. D'ailleurs, si t'as des questions à me poser, Kairis, tu... sur Discord
Ouais, si tu veux, dans la semaine, et je te dirai. Si tu as des questions, je te dirai ce qui te revient. Okay. Donc, vous allez passer la soirée, vous allez péter ça. Effectivement, ça a été une journée bien remplie. Vous avez perdu une main, retrouvé une main, retrouvé une vieille. Qu'est-ce que vous allez faire la prochaine fois? Est-ce que vous allez négocier votre vin ou pas? Est-ce que vous allez enfin aller à Talbanka pour voir l'histoire de 19?